Hello, nice city! Comment allez-vous? Allez, c'est parti, on a plein de trucs à faire. Donc, au final, hier, j'avais décidé de faire les missions de Rogue. Donc, on était sur ça. Il fallait aller au Chemo Dinner à 17h pour prendre d'assaut un camion rempli de matériel de Zetatech. Mémoire, hein, c'est ça. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Il reste quoi? Oh, c'est pas loin, on va y aller à pied. Bim bam boum, dans les voilà. De toute façon, je pense que on pourra attendre sur place, donc c'est très bien. Oh bah mince, c'est le temps de se réveiller. Réveiller. Hop, petite esquive des gens. On va marcher sur à moitié du trottoir pour éviter. Je crois que c'est un peu marrant. Je sais pas où il est ce dîner exactement. Oh, salut roi. Ah ouais, réveille-toi tranquille. Faut se réveiller tranquillement. Y'a rien qui presse. La journée va pas se terminer tout de suite. Et le... Même pas un petit gain d'expérience sur l'athlétisme là. Allez. Oh merde, des flics. Ok. Ah, on sent, hein, ils ont travaillé la densité de population. Sur les quartiers un peu plus malfamés, il y a beaucoup moins de monde. Ah ouais, moi je suis pour vite. Hein. Je suis un mec, je suis pour vite. Ouais. Ok. Ah voilà, je peux attendre ici. D'accord. Tac. Je sais. Oh putain. Concentre-toi sur l'intersection. Mais il y a une tempête de sable, je peux me concentrer sur que dalle. Oh. Va dans le camion, maintenant. Wow, j'aurais peut-être dû me préparer un peu mieux, mais ok. Attends, je prends le camion comme ça? Merde. Attends. Ah, attends, faut aller de l'autre côté? Ah, faut monter de ce côté-là? Je suis dedans. Insère la puce, à droite du volant. Ok. Ah mais c'est vrai que c'est normalement un camion automatique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de garde. Ah. C'est fait. Eh hey, merde. Parle-moi, Pedro. Attends, j'y suis. Ouais, tu y es. Je conduis. Je peux me détendre et profiter du paysage alors. Ouvre l'œil, ces connards vont bientôt débarquer. Ah, ok, bon. Bah au moins je conduis pas. Je préfère tirer sur les gens que de conduire. Par où tu passes? Ah, ok. Non mais respecte pas la circulation, on s'en fout. Alors, le mec était réellement en train de respecter le feu de signalisation là? Hein? Ah. Eh ouais. Faut des petites munitions. Ok, ils sont un peu loin, on va prendre autre chose. Ouais. Oh, attends. Wow, par où passer les mecs? Oh, eh. Attends. Là, je peux plus changer d'arme? C'est quoi ce bordel? D'où je peux... Oh putain, j'ai pas de... Merde! Oh le con! Ah ouais. Ok. C'est bon,
Pas besoin de les remercier. Pourquoi je peux plus changer d'arme? Bon, pas grave. J'avais le droit à un changement d'arme, visiblement. Ouh, c'était juste. J'ai le runner sur le dos. Tu vas gérer? Allez, prends le volant. Compris. Oh merde. Faut pas me laisser le volant, je suis nul. Ah merde, en plus tu m'as pas mis la bonne caméra, donc ok. En plus... Tout va bien. On allait pas dans le bon sens. On allait où là? Va au bout. Ok. Wow. Non, c'est bon, ça pas compté comme un meurtre. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Allez, vous voulez éloigner nos poursuivants de la planque. Non mais vas-y mec Ok. Ça c'est très bien ça. Bah ouais. On a réussi, putain. Oh ouais. Bon voyage. Merci. Merci mille fois. Plus on discute, plus Zetatech peut nous localiser. Encore une fois. Oui, bien sûr. Je te laisse. Ok, à plus. Oh. Beau boulot, V. Yeah. Je sais pas ce qu'en pense Pedro, mais en ce qui me concerne, t'es mon putain de héros. Oh. Tu vois, V, quand on joue bien sa main, on quitte toujours la table et les poches pleines. Contrat bouclé. Merci. Oups là. Oh, il paye pas grand chose. Hein. Il paye pas grand chose. Oh, c'est dommage, je suis à deux doigts de monter niveau. Attends, petite pause. Ok, retour en jeu. Et je me rends compte que j'ai mis aucun de mes bonus de vie et d'endurance. J'exagère. Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est fait. Ah, il y a une quête là-bas. Ah oui, non, ok. C'est juste le colonel qui m'a envoyé un message pour me dire merci, blablabla. Salut l'ami, c'était sympa. On a géré quelques boulots, on s'est bien marré, mais il faudrait pas commencer à trop se relaxer, pas vrai? Dès qu'on se pose un peu trop longtemps, le monde vient nous rappeler que ça marche pas comme ça. J'ai des affaires personnelles à régler, toutes ces histoires de fixeurs, de contrats, j'en ai fini. J'en ai fini avec ça. D'une certaine manière, en tout cas. Mais faut pas pleurer, je t'ai envoyé de quoi essuyer tes larmes. Va voir où tu caches tous tes joujoux, j'ai... Ouf, tout est joué. À la prochaine, V. Ouah, c'était compliqué là. Tac, qu'est-ce qu'il a récupéré? Ah, c'est un fusil à pompe qu'il nous donne. Ok. On va voir à quoi il ressemble. C'est celui-ci. Ah, attends. Ah, bah, génial. Oh non, mais vraiment. Oh putain. Le Bloody Maria. Ok. D'accord. Mais j'ai le Guts, de toute façon. Donc, vraiment. Je suis désolé pour lui, mais. Rien ne peut surpasser le Guts. Hop, on va ranger ça. Et j'ai pas mal de trucs. Attends, c'est quoi que je viens de ranger? Ah, mais non, attends. Quoi? Pourquoi ce iconique là, je peux pas le ranger? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde. Ah, non, ok. Avec la fabrication, il l'avait pas encore enlevé. D'accord.
Ouais, c'est bon. Ah bah non, il apparaît toujours. Alors que je l'ai fabriqué. Bon bah pas grave. Tac, tac, tac. Y a pas un endroit où vendre pas loin là? Non, parce que moi je veux aller là. Et dans les dépôts. Point de dépôt. Ouais, tiens. Hop, voilà. Voilà. C'est sur le chemin, on va faire ça tranquille. Wally. Ah. Ok. Let's go. Oulé, oulé. Ouais. Oh non! Quoi? Comment ça, combat? Ah oui, non, mais c'est le mec qui était sûrement énervé. Il a dit: ouais, je veux te niquer la gueule. Tu m'as renversé. Mais bon. Faut mieux pas pour lui. Faut mieux pas pour lui que j'intervienne. Ok. Hop. Ça, on peut vendre tout. Le vendeur n'a pas assez d'argent. Oh là là, ils sont pauvres, ces dépôts. Bon, j'en trouverai bien sur la route, on verra bien. Je dois avoir assez pour récupérer tout ce qu'il y a comme matos dans la mission. Ah ouais, c'est des tourelles. Oh, c'est des tourelles. Attends. Attends. Parce que ça m'intéresse. Hop. Faut pas me mettre des jouets comme ça. Parce que j'ai tendance à pouvoir les désactiver et à les arracher. Voilà. Ok. Prendre le contrôle. Et après arracher. Voilà. Voilà. C'est pas contre vous les mecs, hein, mais ça me permet d'avoir de l'expérience. Et moi l'expérience, bah j'aime ça. Par contre, vous êtes qui? Est-ce que je peux venir chez vous ou pas? Non. Okay. Ah, je peux pas venir chez vous, hein, c'est dommage. Hein. Enfin, c'est dommage. Non, c'est tant mieux pour vous. Hein. Ah, je peux même pas vous avoir? Attends. Ah, si. Ah, vous avez de la chance, je suis nul en arme de poing. Voilà. Ok. Hop là. Bataille à travers les grilles. Oh, ça touche quand même un peu. Ça touche quand même un peu. Ok. Voilà. Et ça touche quand même, hein. Ah putain, là il est trop loin. Là ça commence à être loin. Là il commence à tricher. À tricher. Putain, ils veulent pas ouvrir la grille, hein. Putain, on est exposé. Merci. Oh oui. Et voilà. Bah voilà. Ça m'aura même permis de monter de niveau. Hop là. Tac. Ouais, globalement c'est ce que j'ai fait. Je les ai tous tués. Et un peu juste pour le plaisir. Oh, moins de santé de 10%, cool. Ah mais j'ai un point. Ce qui fait que j'ai un point. Hop, et voilà. Je sais pas s'il y a des choses. Bon, attends, je peux attendre le dernier niveau pour regarder. Je suis pas en danger. Ça devrait le faire. Ouais. Bah oui, mais bon, les mecs ils ont qu'à pas donner de l'XP aussi à un moment donné. À un moment donné.
Les gens, faut qu'ils assument ce qu'ils sont, hein. Tu sais, je considère rarement la force brute comme le meilleur moyen d'obtenir des résultats. Ouais. Mais parfois, la violence est la seule solution. Cool. Une pourriture dont il faudrait s'occuper. Un vrai sadique à la botte d'une corpo. Ok. Une hémorroïde au cul de Night City. Alors rends service à tout le monde en acceptant ce contrat. Les infos sont en pièce jointe. Eh ben c'est parti alors dans ce cas-là. J'ai d'abord cru à de simples rumeurs, le genre de conneries qu'un poivre balance dans un bar à 3h du matin. Mais quand trois témoins te racontent la même chose, tu commences à te renseigner. Et maintenant que mon informateur a confirmé l'histoire, il est temps de passer à l'action. Écoute, je voudrais pas passer pour une vieille conne, mais de mon temps, les ouvriers savaient se défendre, au lieu de faire appel à des fixeurs. Ils avaient des syndicats qui se battaient pour leurs droits. Je sais. Bref, maintenant, il n'y a plus de syndicats. Ces ouvriers n'ont pas les moyens d'engager un fixeur avec leur salaire de misère. Heureusement pour eux, j'aime bosser pro bono à l'occasion, dans l'intérêt commun, tu vois. Venons-en au détail. Vic Vega, c'est un type du genre à noter « brise des crânes » comme passe-temps sur son CV, et c'est exactement ce qu'il a fait à Rancho Coronado. Il brise des crânes. Avec l'appui plein et entière des cadres de la corpo, qui préfèrent avoir des ouvriers avec des lésions cérébrales plutôt que de les augmenter de 2%. Vega et ses hommes terrorisent tout le quartier. Les ouvriers ont leur claque, et qui pourrait le leur reprocher? Tu vas devoir trouver ce Vic Vega et éliminer ce taré pour de bon. Les corpos comprendront peut-être qu'ils ont dépassé les bornes ce coup-là. Ok, et ben on va voir ça. Puis j'aime bien, on me demande pas d'être discret. Bon, je vais pouvoir juste tuer tout le monde. On va voir quand même s'il y a des entrées alternatives, histoire de s'amuser. Ah, une entrée alternative avec force, c'est bien ça. Ok. Avec technique, d'accord. Et il y a rien par là. Ok. Voyons voir sur le toit. Il y avait des choses. Ah ouais, je suis considéré directement comme ayant rentré. Ok. Ah mais il n'y a pas d'entrée pure sur le toit. Attends, faut monter plus haut. Il n'y a pas de pure entrée sur le toit. Ok. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Hop là. Tac. On y va. Je veux déjà repartir ? Bon, j'arrive. Petite pause et après on y va. Ah, les chats et leurs... Non, mais je sais pas ce que je veux faire. Ah, il y a plein de bordel là, fais gaffe. Oui, bonjour, je viens casser la gueule à tout le monde. Oh mince! C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas au flingue que je veux le faire, moi. Mandat d'arrêt émis, pourquoi? Ah, j'ai dû tuer des civils. D'accord. Mais il y a vraiment des civils dans cette affaire.
Ah, mais est-ce que Rogue va pas l'avoir mauvaise de que j'ai tué des civils? Attends, je recharge. On va faire attention cette fois. Ouais, ouais, bah monte sur les genoux. On va faire attention. Non, par contre, on monte pas sur le bureau, tu le sais très bien. Ah merde, excusez-moi, vous avez rendez-vous ? Non, j'ai pas rendez-vous, je tue tout le monde qui se présente à moi. Ok. Ah non, ça s'ouvre facile, d'accord. Je vais attendre un peu aussi les gens. Ah, ils sont en alerte, mais ils sont considérés comme ils me voient pas. Ok. Je vais looter ceux qui sont là dans ce cas-là. Ah ouais, j'ai pas le truc donc je peux pas rentrer, mais c'est pas grave, je peux rentrer par là quoi. Ouais. Donc, faut que je fasse gaffe à pas tuer les civils. Est-ce que t'es civil toi? Non, t'as une arme, t'es pas civil. Ok. Ok, ok. Voilà, toi t'es pas civil. Tout ce qui a arme n'est pas civil. Qui c'est qui a dit on avance? On avance vraiment? Vous êtes sûr de vouloir avancer les mecs? C'est pas contre vous hein. Mais avancer contre moi, ça a des conséquences fort déplaisantes. Non, ça c'est la sortie, ok. Ça c'est quoi? La cuisine? Ok, il y a des trucs intéressants. Oh, une entrée? Ah, que je peux forcer, cool. J'aime bien les entrées que je peux forcer. Ouais. Ça devrait être ça, tout ce qui est devant moi n'est pas civil. Ça serait beaucoup plus simple comme ça. C'est quoi? Ah bah oui, oui, non, c'est la sortie, je suis con. Ouais. Ah, je peux l'ouvrir, top. Je vais avoir récupéré la clé sans faire exprès sur le cadavre d'un garde. Ah ok, il y a un mec là. Hop. Moi j'étais pas très discret ma grande, pourquoi tu t'es pas retourné? Bon, c'est pas grave. Tant pis pour elle! Tant pis pour elle, tant pis pour elle. Ah bah oui, c'est l'entrée par laquelle tu passes si tu prends la décision de rentrer par le... garage. Allez, on monte. Prochain étage. Bonjour, est-ce qu'il y a des gens? Ah oui. Vous êtes là, les gens. Da-la-la. Ok, et il y a des gens ici. Okay. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Oh, je me suis quand même fait avoir. Bon, bah, c'est une mitraillette en même temps. Faudrait être fort pour me rater. Hop là. Ah mince. Il est où le dernier? Ah mais le dernier c'est le chef. Vas-y relève-toi. Vas-y relève-toi. Espèce de connard. Allez. Allez bim. Et c'est réglé. La la la. Hop là. Tac. Oh mais t'es en vie toi. Vas-y. Ok. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais en fait, j'ai sur mes points, j'ai hémorragie. Ce qui fait que, voilà, quand je frappe quelqu'un, bon, ça semble logique, hein, mais je génère une hémorragie, donc il y a des dégâts qui se font même quand ils sont à terre.
Et encore, ils ont de la chance, j'ai pas mis le point de feu. Ce qui fait que quand je les frappe, bah ils brûlent. Ok, bon, on s'en sort bien, il y avait des trucs intéressants. Sympathique. Ouais, non, c'est plus des mains que j'ai à ce stade. Hein. Non, non, c'est, c'est vraiment des vraies machines à tuer. Hein. Des pures machines à tuer. Ah bah, y'a rien là. Je passe pas à travers la fenêtre. Je croyais qu'il y avait une fenêtre. Allez. Ça, c'est fait. Vega s'est fait refroidir et y'a pas d'autres victimes. Alors on va dire que c'est gagné. Cette communauté a déjà assez souffert comme ça. Contrat clos. Yeah. Elle était à peu près contente. Bon, c'est l'essentiel. Tac, tac, allez. Bah c'est tout bon là. C'est tout bon. Quand la vie va, tout va. Tac, tac, tac. Oui, il y a des contrats là et tout ça, mais ça, ça sera pour plus tard. Donc, je vais pouvoir... Hop, aller enfin rejoindre Paname. Qui était l'objectif il y a au moins 3 streams. Mais bon. Il y a eu des imprévus en cours de route. Des imprévus marrants, ça va. Comme le fait de tuer tout le monde dans un bâtiment. C'est marrant de tuer tout le monde dans un bâtiment. Il y a un plat de gens dans le bâtiment et pouf, il n'y a plus personne dans le bâtiment. Ok. J'arrive. Samuel pour rentrer, Samuel pour sortir. Ça c'est pas ce que ça veut les chats, de toute façon. Faut vraiment qu'ils se réunissent dans un comité de chats et qu'un jour ils décident ce qu'ils veulent faire parce que bon. Ils sont complètement indécis. Oh, on va voir Paname dans la. Dans la tempête de sable. Oh, c'est pas très fun. Hein. Si on attend un peu, est-ce que la tempête va passer? Ah bah voilà. Fait déjà un peu plus soleil. Ok. Ah, Paname, comment vas-tu? Ça va, Paname? Ça me fera toujours rire que ça soit la première image qu'on voit de Paname. Toujours très agréable, la première rencontre avec Paname. Comment vas-tu, ma grande? Salut. Paname? Tu dois être V? Ouais. Elle est où, ma caisse? Oh, allez, vas-y. Pourquoi? Elle est pas bien, celle-là? Je l'ai empruntée, elle est pas à moi. Je t'ai demandé où était la mienne. On peut s'entraider, c'est ce que Rogue m'a dit. J'aurais dû m'en douter. Bon, dis-moi tout ce que tu sais. Autrement, retourne voir Rogue et dis-lui d'aller se faire foutre. Oh, toujours, toujours dans l'énervement. Hé, hey, tout doux, on se calme. Me donne pas d'ordre, ok? D'accord.
Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Oh, mais encore une tempête de sable. Tu la récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors, on n'a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux? Je dois attaquer un convoi Kang Tao. Ce sera pas facile. Je veux savoir si je peux compter sur toi. T'as complètement pété les plans ou quoi? Est-ce que non. Je bosse avec toi ou tu parles du boulot? La navy Kang Tao est censée survoler les plaines Jackson. On m'a dit que ça devrait nous aider. Ouais, je crois pas, non. Il y aura un tirant. Je dois lui parler. Non, mais je rêve. En échange, t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok. Allez, c'est un bon deal, Paname. Je sais pas. Ah. Pas comme ça, plus de personne. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Sorton. Alors, elle est où? Hop, elle est dans ton cul. La caisse est à Rocky Ridge. Non, c'est méchant. Tu sais où c'est, est-ce qu'il paraît? Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, cette petite ordure. Je vais t'étrangler. Nage, c'est un tchoum à toi? T'as fait un mauvais plan? C'est ouais. Pas mon tchoum. Ok. Disons partenaire. Plus maintenant. Ce Shiv m'a fait un coup de pute. Il a chouré mon pick-up et la marchandise. Et là, il compte sûrement la fourguer à Rocky Ridge. Il peut faut savoir choisir ses partenaires. Alors en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. À quoi? Mais chier. Bon. On aura besoin de renfort. Mais je suis une armée à moi tout seul, on n'a pas besoin de renfort. Une seconde, j'appelle le client, je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle peut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hey, salut boss. Arrête de fumer, Johnny. Je dois te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Buzz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Mm-hmm. S'il te plaît, combien de fois j'ai transporté des trucs? Et combien de fois j'ai merdé, hein? Bah, au moins une fois, visiblement. Je te donne ma parole. Cette nuit? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointe pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, évidemment. Merci. Tu le regretteras pas. Elle sait être sympa quand elle veut, hein? Hein, tu sais être sympa quand tu veux, Panam. Boss, je savais pas que tu roulais pour les Six Street. Quoi, c'est interdit? Non, ça me pose aucun souci. Toujours d'ardent défenseur de la bannière étoilée des valeurs patriotiques. Peut-être bien. Mais je m'en tape. Il paye bien. C'est pas plus compliqué. Bah. T'as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru? Ouais, ça te surprend? Ça s'appelle avoir une réputation. Mmh. Tu devrais t'en payer une un de ces jours. Ouais. Eh, j'ai réputation 50, ma grande. Alors? On va maintenant au camp des Halles des Caldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Ok, en route. Monte. On va un peu avancer. Là, j'aime bien quand c'est pas moi qui conduis. Tu l'as trouvé où cette caisse? Dans une ruelle de Rancho? Bien vu, c'est ça. Ah merde. Ça pose un problème? À moi? Non, du tout. Franchement, chacun est libre de ses goûts. Tu vas te faire foutre. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parle pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Mmh. Et toi? Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navie? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Et parce que j'ai assisté au meurtre d'un des chefs les plus puissants de corporation. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue, elle doit avoir fait raison, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas, cette conne! Ouais, mais c'est la meilleure fixeur! T'as pas le choix! À mon avis, il va falloir que tu lui demandes. Ouais, j'y manquerai pas. Je lui demanderai surtout pourquoi elle m'a fait bosser avec Nash sans me dire que c'était un Raffen.
Ah, c'est pas ouf. Quoi? Nash est un Raffen? Ouais, il bosse avec les Wraiths, le plus gros groupe de Raffen du coin. T'as entendu parler d'eux, pas vrai? J'en ai tué ouais, déjà les pas mal. Ils se sont fait éjecter de leur clan. Ouais, la plupart. Les nomades bannissent pas les leurs sans raison. Alors imagine, des meurtriers, des violeurs, une belle brochette de tarés. Ils forment des groupes, même des vrais gangs parfois. La plupart sont en cavale avec un avis de recherche au cul. Putain. Et cette salope m'a fait travailler avec ses raclures. Devait y avoir une raison. Elle devait avoir ses raisons. Non, sans blague. Rogue est pas du genre à ouvrir la bouche sans avoir pesé le pour et le contre. Ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit garder pour elle. Bon allez, c'est bon, on a fait la discussion, on va passer le trajet, on va pas faire tout le trajet, faut pas exagérer non plus. Hey! Ah! Elle va remplir sa part du marché, bonne chance, ouais. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde. Bon par contre la tempête de sable, c'est quand vous voulez pour la lever hein. C'est qui ça? Ma babysitter. Je te présente Scorpion et Mitch. Salut Scorpion. Je te connais, t'es dans Mortal Kombat toi. Je suis pas sa babysitter. On bosse ensemble. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine? La grande ville est devenue trop petite pour elle. Mm-hmm. Réalise que le vieux va vraiment être furax quand il va nous voir ici. Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. Panam, on n'a pas le temps là. Je sais. Bah ouais. Les m'ont baisé la gueule. Alors je vais m'occuper de leur cul. Mais j'ai besoin de votre aide. Allez, venez avec moi. À nous quatre, on peut se défaire. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais en plus, je suis une armée à moi tout seul. Vas-y, on y va, on les défonce et puis basta. Vous allez pas m'aider là? Lui nous a dit de pas bouger. Remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? C'est encore une blague? Ouais, on s'en sortira sans eux. Mais oui. Mais oui. Mais non. Non, il a raison, vas-y, aide pas. Fois, ils ont besoin de nous ici. Putain, j'y crois pas. Ah bah ouais, mais bon là, à un moment donné, Panam. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit. Vous en avez rien à foutre de moi. T'as été banni du clan, Panam. C'est pas Saul le problème, c'est le clan. Tu le sais. Ah ouais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? Ouais. Merci les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Allez, c'est parti. On aura le temps. Oh oui, on aura le temps. Bah quoi, t'es déçu? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Oh, arrête de faire la gueule, madame. Je suis un mec super. Je suis une meuf super sympa, tu vas voir. Je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Salut, Panam. Ah, lui, toujours un réel plaisir de suivre Panam. Hein. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a un marchand d'armes et que j'ai besoin de fric. J'ai besoin de vider un peu mon inventaire là. Tac. Ok, ça c'est bon. Ouais, bon, ça j'en ai rien à foutre. Et tout le reste, ça... Ah là là, il a plus rien. Il a plus rien. T'as peut-être des choses intéressantes que je vais acheter, comme ça je te revends. Hein. Attends, tiens. J'ai pas dit que j'arrêtais d'en acheter des composants parce que c'était bon. Donc j'avais ce qu'il fallait. Oh, attends, ça par contre, je prends. Parce que j'en ai pas tant que ça, des trucs comme ça, et j'en ai un peu besoin. Ta-ta-ta, ouais, ouais. Ok, des crackers, je peux le faire moi-même. Et t'as pas d'autres composants? Bon, bah pas grave. Ça me va, je vais juste finir de vendre ça puisque t'as récupéré quand même pas mal du fric sur mon dos, mon gars. Voilà. Bon, t'es plus gagnant que moi. Hein. T'as amené une nouvelle. Oh, attends, eh, quoique, eh, il y a un charcutoc. C'est pas dans les implants purs que je veux. Oh, quoique, je peux regarder hein, ce qu'il y a. Ah non, ça c'est le truc que je possède. Dans quoi qui pourrait que tu pourrais m'intéresser toi? Plus commerce, hein, c'est voir si t'as des modules intéressants, mais ouais non. C'est quoi ça?
Oui, ça c'est les lames et tout ça, ça m'intéresse pas. Ok. Ouais. Non, mais il y avait des gens intéressants. Petit fusil sniper. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. Ouais, on a ouais. Ce qu'il nous faut. Allez, mais moi j'ai juste besoin de mes points. Hein. J'ai besoin de rien d'autre. Hein. Vous avez réglé vos différends avec Saul? Tu vas revenir? C'est dommage qu'on peut pas lever légèrement la caisse. Ça rebondisse dessus. Tu passes me voir après, hein, chérie? Une autre fois, Ellie. Promis. Bon, j'y vais. Ouais. Allez, vas-y, file. Vous pourriez nous filer une bagnole, hein? Ouais, y'a pas de problème. Ok. Hop là. On peut y aller. Monte. Ouais, je suppose que c'est pas moi qui conduis. Ah mais je peux passer si je veux passer le trajet. Ah mais attends, quoi? Si j'appuie sur F. Mais tu es scorpion, ah c'est des types bien on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul. Mais le clan passe avant tout. Mais moi j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs. Ouais, en plus. T'as quelqu'un que tu considères comme un proche toi? Non, j'ai pas cette chance. Je vois. Allez, on passe. Vraiment un gros problème avec le Allez, bah ouais, on passe. Ok, on y est. Non, j'ai pas de chance sur cette partie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi toutes ces tempêtes de sable? On va accueillir les Raffen et on a pas beaucoup de temps. Alors, on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Scanner les appareils, oui. Désolé, je. Ok. Je vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. VHS, y'a rien qui marche. Complètement. Mais j'ai vu un truc, ouais. Ah mince, attends. Ok. Ah bah y'a déjà un mec de mort. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Y'a quelqu'un à 3h de... Y'a quelqu'un à 3h, vitesse environ 80 km/h. Il sera là dans 5 à 7 minutes. Ok, c'est parti. Toi et Nina, posez-vous sur le toit de la station. Je garde la base chaque. Passez à l'action initiale. Tir continu, pigé. Ça marche. Bon. Un plan cafoiré. Alors, t'as trouvé quelque chose? Ouais, tout est mort au premier degré. Le courant est coupé partout. Eh ben, on va changer ça. Les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Ok. Jetons un œil au poste de transport. Ok. Ok, ok. Attends, par contre, j'ai plus rien. Alors, voyons voir. Bon. Moi, je prends, hein. On me donne des trucs. Ok. Je peux ouvrir là? Ouais. Ah mais y'a pas... Ok. Bon. Ma. La Kodak. Tac, ça c'est bon. Ah. Ok, si tu le dis. Okay. Vas-y, explique. Le croisement est alimenté par ce poste de transfo. D'accord? Ouais. Un tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, tout va s'allumer. Ça va être Ok. Tu vas la jouer classique.
Une bonne vieille diversion. La meilleure technique. Si tu le dis. Primo, on sait pas combien ils vont être à se pointer. Un bon petit paquet, je dirais. Non, ça me change rien. On doit s'ouvrir une voie pour atteindre mon pick-up. S'ils restent groupés, on a aucune chance. Alors on leur fait un spectacle son et lumière au croisement. Ouais. On va faire revenir cette ville d'entre les morts. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais. Ouais. On commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. Ok. T'as l'air bien sûr de toi, Panam, pour un plan qui a l'air quand même pas mal bancal. T'as de la chance que j'ai déjà fait 1000 fois ce plan. Bon. Elle est où ? Elle arrive par où ? Par là ? Je sais plus. Je sais plus par où madame arrive. Attends, faut que j'appuie sur un truc pour attendre ? Non, elle est là. Ah ! Et ben voilà ! Le panneau a l'air en bon état. Mais oui, le panneau est en bon état. Ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on la remette en marche. Prends les câbles dans le coffre. On va le démarrer avec la batterie de la caisse. Ok. Ok. Oh merde ! Oh bah j'ai pas eu de munitions. Bon, on va pas grave. C'est la vie. Câble rouge connecté. Attends, donne-moi 2 secondes. Je dois tout raccorder ici. C'est fait. Maintenant, le noir. Hop. Et voilà. Repose en paix. Ce vieux taco nous aura bien servi. Ouais. Je suis pas sûr. Ok, j'ai du jus. Allume le terminal à l'intérieur. Et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. Active les disjoncteurs, ok? Oui, ok. Pas de problème, ma grande. On peut rentrer par la fenêtre? Bref. Hop, tac. Réseau local activé. Voilà. Et maintenant, ici. Maintenant, on attend. Surtout, t'oublie pas. Dès qu'on les voit, t'envoies le jus. Ouais, ouais. Compris. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Allez, let's go, ce buddy. Voilà. Thomas Sorn. Tu la vois? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Vaut mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est vrai. Nova. Ouais, c'est vrai, il faut le faire discrètement. Ouais, je sais pas faire discrètement, moi. Enfin, je sais plus faire. C'est pas ma spécialité, là, en ce moment. Ma spécialité en ce moment, c'est de tuer tout le monde. Il y a quoi ? Ouais, ouais. Ok, c'est tout ? Vous êtes que ça ? Ah, mais je peux même plus. Ok, d'accord. Vous êtes que ça ? Et bah. Attendez-la ici. Tiens-toi prête. C'est parti pour le show. Que la lumière soit. D'accord. La c'est le chauffeur qui l'a. Attends. Tac, tac. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Cherche la fille avec une iroquoise. Facile à repérer. Ouais. Non mais en vrai je vais tuer tout le monde. On s'en fout. Je suis pas là pour... Voilà, c'est le plaisir d'être en mode coup de poing. Vas-y. Ouais, ouais, t'inquiète. Voilà. Ok. Voilà, et il manque plus que lui. Allez. Et ben voilà. Et ben voilà, ça s'est très très bien passé. Faut aller pas stresser. N'était pas pressé. Ouh, il y a des gens vivants là. Bah ben ouais.
va falloir faire attention quand même. On va pas laisser des gens en vie. C'est mal poli de laisser des gens en vie, moi je trouve. Les mecs ont essayé de se battre et tout ça, ils sont battus en guerrier, ça aurait été ultra mal poli de les laisser en vie. Ah mais comme quoi faut faire attention aussi, hein. Faut visiter un peu les bâtiments, effectivement, il y a 2-3 trucs intéressants à prendre. Voilà voilà. On sait jamais les grenades, on sait jamais, hein. Un jour j'en aurais peut-être besoin. Ok, ouais. Ah, il y avait moyen de forcer là. Il y avait des trucs. Bon, il n'y a pas tant de trucs que ça. On sent qu'on est censé être sur une mission début de jeu. Donc les récompenses sont pas ouf non plus, quoi. Le jeu, il a dû dire, mais il est pas un peu au niveau pour ce qu'il y a à faire ici. Mais bon, c'est ça, les joueurs qui mettent, qui font toutes les quêtes secondaires avant les quêtes principales. Résultat, on arrive, on est surpuissant. Hop. Tac. Voilà. Ok. Et ben voilà. Attends. Ouais, bof. J'avais cru voir du bleu, mais... C'est moi qui rêve, à part si par là, non. Allez, on met fin à la mission. Faut pas faire durer ça éternellement non plus. On prend la clé. Hop. Ah, c'est moi qui conduis ? Ok. Pas de problème. Je prends le volant. Bon... allez, vas-y, ouais, Je laisse faire les pros. J'aime pas conduire, donc comme ça. Enfin. Est-ce pour toi qu'ils l'ont pas trop abîmé ? Allez, let's go ! Alors ? Une vraie beauté, tu trouves pas ? Ouais, ouais. Un vrai petit bijou. Je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois, on s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon? T'as la marchandise? T'as la caisse? Ouais. J'ai pas une hache. Il était pas en cet enculé, il est resté planqué. Bon, bah on y va. Panam. Écoute. J'ai un plan. Je m'en fous. T'as pas de plan. On voulait récupérer la marchandise, ta caisse, c'est fait. Les Six Street attendent des nouvelles et je... Écoute-moi, putain! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. C'est une mauvaise idée. Ils nous attendront pas. J'en suis sûr. C'est une mauvaise idée. Bon, allez, vas-y, d'accord. On y va, mais on y va où, vite. Hein. Il est où, ce repère? Il est pas très loin d'ici. Ouais, ouais. Allez, accélère. Ouais. Ouais, compris. T'es en colère, de toute façon, tu vas faire ta tête de boudin si on n'y va pas, alors. La personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos, après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. La vengeance, c'est rarement la bonne solution. La raison plutôt que les sentiments. J'ai un avis intéressant, mais je préfère me forger ma propre opinion. J'adore. C'était pas mal. On peut passer ou pas? Parce qu'on voit, on s'en fout, hein. Bon, surtout qu'on roule à 2 à l'heure. Vas-y, Panam. On roule à 53 km/h là. Ah non, on est en MPH. C'est pire. On roule à 53 MPH. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est lent. En 2077, vous avez toujours pas le système métrique, les Américains? Vous faites pitié. Hein. On va le pécho. Ok.
Ah oui, là, il y a même pas... Il y a même pas de... Oh mince! Ah, j'ai aucun de mes bonus. Sans bonus, c'est triste. La vie sans bonus, c'est triste. Bon, j'ai plus de 3 secondes, moi j'ai intérêt de me faire, de faire attention. Ok. Voilà. Oui, oui, butez-les. Faut pas exagérer non plus. On n'est pas des gens très gens. On n'est pas des gens très méchants. Je suis sûr que vous, si vous nous laissiez une chance. Je sais qu'on est là pour se venger normalement. Mais je pense qu'honnêtement, on peut s'entendre. Ok. Attends. C'est par où? Ah, c'est par là. Eh, tu m'obliges à faire des détours, toi. En vrai. En vrai, ils sont là. Hop, il y en a un, je l'ai... Ah putain, je l'ai raté à cause de, du manque de lumière. Ok. Oh bah oui, c'était faire, c'est facile. Hein. Ça sert à rien de me planquer, mais si... Mais si, mais si. En plus, je me planque pas, alors. Hop, tac. Merci. Ah, t'es passé par-dessus. Eh bah voilà. Eh bah voilà. Et voilà. Maintenant. Satisfaite ? Presque. Ouais. Comment ça presque ? On a tué pratiquement tout le monde là. Ok. Attends. Moi. Je prends mon butin, hein. C'est un peu. C'est un peu mon paiement pour avoir suivi Paname dans ce plan de cinglé. Hop là. Planer à la maison, j'ai pas besoin de planer à la maison. Le reste, ça a l'air d'être en haut. Ok, on va aller voir en haut. Je crois qu'en haut j'ai vraiment tué tout le monde. Ah oui, bah lui il a plus de tête, comme ça c'est réglé. Oh, t'es en vie toi? Ah non, t'étais pas en vie. Autant pour moi, j'ai profané ton cadavre. Ouais, ça c'est pour descendre. Qu'est-ce que t'as comme, comme truc? Faiseur de rêve, ok. Fusil à précision technique. C'est-à-dire qu'on charge, hein. Ouais. Hop, hop, hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ils avaient visé Paname dès le départ. Elle avait qu'à être moins... moins naïf, la petite. On va vérifier quand même ce qu'il y a hein, dans, là-dedans. Je suis pas monté là-haut. Donc on va voir s'il n'y a pas 2-3 trucs intéressants, histoire d'eux. Voilà. Faut toujours. Et ça a l'air d'être bon. Ok, allez. À la suite, Paname. Qu'est-ce que tu disais déjà? C'est à toi de résoudre tes problèmes et de nettoyer ta merde? Nash est mort. Une merde de nettoyer. T'es contente? Pourquoi t'appelles Rogue? Compte pas sur Nash pour la livrer. Mais si tu me demandes gentiment, je pourrais peut-être t'aider. Oh là là, c'est vraiment puéril. Putain. Bah ouais, bah oui Paname, c'est puéril ce que t'as fait. Viens, on se tire d'ici. Allez, on y va. Oh, une vraie connasse, froide et aigrie. Je crois qu'elle a plus toutes ses connexions. Tu veux dire qu'elle a été douce et gentille à une époque? Non, quand même pas. Mais elle a déjà été à la place de Paname avant. Elle va avoir besoin d'un bon coup de pied au cul. Oh arrête, sur ce coup-là. Sur ce coup-là, fallait aussi donner un bon coup de pied au cul à Paname. Hein. Salut Boz, j'ai ta marchandise. Le petit coup de l'appeler, d'appeler Rogue, fallait le faire après, après avoir livré Boz. Je sais que tu déconnes pas, j'y serai, t'as ma parole. Ok, j'ai arrangé un rendez-vous.
Ouais, ouais, si tu le dis. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ah, cool. Oui, ça me va. On va s'éclater. Bon, t'as toujours pas... Ouais. Toujours décidé de rouler à deux à l'heure. Ils sont là. Laisse-moi parler. Y a un risque ? Non. Enfin, je crois pas. Y a toujours un risque. C'est un gang. Avec un flingue comme ça, bref. Je vais rien dire. Salut, Buzz. Hé, hey, Panam. Comment va Nash ? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigue plus à l'appeler. Tu perdrais ton temps. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça ? Un petit extra ? Je m'assure que vous êtes bien sage. Ouh, elle a plus la tchatche que Nash, hein ? T'as encore rien vu. Et je crois qu'elle me plaît bien. Et je crois que j'ai tué masse des tiens. De la marchandise premium. Hein ? C'est bon ? T'es satisfait ? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Ouais. Mais c'est Rock qui va me payer, je me trompe. T'es valide. T'as mérité un pourboire. Oh, c'est on sympa. Décolle. Je vous tue tous maintenant ? Non ? Je les laisse réellement partir ? Bon. Ça s'est bien passé ? Ouais. Viens. On va s'en jeter. Hein. Si tu le dis. Il est quelle heure ? Il est 30. On a le temps d'aller dans... de s'en jeter un. Ouais, on a le temps d'en jeter un. Des Raffen éliminés, des Six Street satisfaits. Une belle journée pour Panam Palmer. Non, mais on s'en fout, ne Rogue. Honnêtement, un connard de moi, ça change rien. La journée est pas finie. T'as encore le temps de me foutre en rogne. Et c'est pas compliqué de te foutre en rogne, Panam. Vraiment pas. Salut Noah. Salut. C'était des nouveaux clients ou des nouveaux amis ? Je te laisse deviner. Ça roule pour toi ? Ces clowns te font encore chier ou pas ? Les Raffen ? Non, c'est tranquille. Ils reviendront, c'est sûr, mais on a vu pire par ici. Ouais. Qu'est-ce que je te sers ? Brosef. Deux. Alors ? Y avait quoi dans ce paquet pour les streets ? T'as pas regardé ? Du baloperidol. Des médocs pour nos cyberpsychos. Ah ouais ? Ils les revendent ? Ouais. Ils ont des accords avec des cliniques clandestines. Et des charcudocs. Ah. Allez. Trinquons à ta sorme. Merci pour ton aide, partenaire. Ouais. Eh bah, sacrée descente, madame. Je vais t'en reprendre une. Yup. Merci Noah. Sûr qu'avec une main en métallique, si tu peux décapsuler plus facilement. Ah, j'aurais pas dû lancer le... Bref, pas grave. Ok, il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Hellman ? J'ai un plan, mais c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis on pourra voir ensuite les détails. Ok. Bon, de toute façon là, elle est complètement bourrée. Ça sert à rien de parler de plan. Et de rester dans le coin. On se mettra au boulot vers minuit. Comme ça, on n'attirera pas l'attention. Ça te va ? Bah non, parce qu'en fait, à minuit, s'il y a du bruit, ça attire forcément l'attention. C'est en pleine journée. C'est en pleine journée, quand tout le monde bosse, quand il y a du bruit partout, que t'attires pas l'attention. V ? Ouais, 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 bonne idée. On va faire ça. On va dire. Bon, on va dire que c'est une bonne idée. Noah, on va te prendre deux pioles. Juste pour cette nuit. Je vais aller pioncer un peu. À plus tard. Eh bah, plus tard. Bon, en tout cas, moi, je vais aller travailler et pas pioncer. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve dans le week-end pour du stream. Peut-être sur un jeu différent, va y avoir un jeu qui va popper là, que j'ai testé, que j'aime bien. Et donc, on va faire quelques parties. Et sinon, bah, on se retrouve évidemment, quoi qu'il arrive, mardi de 8h30 à 9h30 pour les aventures Cyberpunk 2V.
Au revoir.